Bonjour, bien-aimé, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Alléluia, que la paix de notre Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Alléluia. Prions, mes bien-aimés, avant de commencer. Père très saint, nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous venons ce matin, Père très saint, de dire merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Pour la protection divine pendant la nuit. Tu as été au milieu de nous, tu nous as protégés, Père qui ne dort pas, Père qui ne sommeille pas. Tu nous as gardés toute la nuit, tu nous as réveillés ce matin, Père, cette bénédiction, merci. Merci, l'agneau de Dieu, merci le prince de la paix. Merci pour le souffle de vie gratuitement que tu nous as accordé aujourd'hui. Nous te bénissons puisque tu es bon. Nous te bénissons pour ta miséricorde durera toujours. Nous te bénissons puisque c'est toi qui as renouvelé ta bonté envers nous ce matin, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ, reçois la louange, honneur, gloire, adoration te reviennent au nom de Jésus-Christ. Merci, l'agneau de Dieu. Merci, toi qui as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour mon frère, pour ma soeur. Merci pour ton amour inconditionnel, ô Dieu de toute puissance. Car tu envoies ton sang, Seigneur, pour le bon et pour le mal. Puisque tu es Dieu d'amour, oh toi qui n'aimes pas l'amour des pécheurs, tu nous aimes d'un amour, Seigneur infini, que la louange te revienne au nom de Jésus-Christ. Disons que tu es beau, puisque c'est toi qui nous as créés. Tu nous as créé à ton image, à ta ressemblance. Nous te disons merci puisque c'est toi qui as créé le ciel, la terre, tout ce qui renferme. Nous te disons merci puisqu'avant de créer l'homme, tu avais déjà mis la provision pour l'homme. Père, merci. Merci, le roi des rois. Merci, éternel des armées de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es digne de recevoir la louange, honneur, gloire et adoration, car il n'y a pas de Dieu comme toi. Devant toi, il n'y a pas notre Dieu. Devant toi, il n'y en a pas, papa. Tu es le seul. Tu es l'unique, le vrai Dieu, à qui tous genoux fléchissent, à qui tout le monde confesse que tu es Dieu, que tu es vivant. À toi, tout honneur. À toi, toute gloire. À toi, toute adoration. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, nous te couronnons d'action de grâce ce matin. Oh, toi qui as accepté de quitter ton trône pour venir sur cette terre. Qui a pris la forme humaine, oh, pour nous délivrer, nous a racheté l'esclavage de Satan et nous a transportés à ton royaume de lumière. Te disons merci au nom de Jésus-Christ, merci pour le sang versé, merci pour l'œuvre de la croix. Quand tu as dit tout est accompli, tu as porté nos afflictions, tu as porté nos péchés, tu as porté nos maladies, tu as porté nos problèmes, tu les as crucifiés sur la croix de Golgotha. Merci de résister du troisième jour. Merci l'agneau immolé. Merci le prince de la paix. Toi qui nous donne la paix que le monde ne peut pas donner. À toi l'honneur, gloire, paix, adoration. Au nom de Jésus-Christ. Merci puisque tu ne nous as pas laissé des hommes comme des orphelins. Que nous avons été au Saint-Esprit. Un Saint-Esprit qui nous enseigne. Un esprit qui nous corrige. Un esprit qui nous guide. Merci. Merci Jésus. Merci Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans nos vies, jour et nuit. Merci pour tes directives. Merci pour ton soutien. Merci au nom de Jésus-Christ. Père, je te recommande tes enfants qui sont amis, même ceux qui vont écouter plus tard cette main. Éternel des armées, parle-nous ce matin, Seigneur. Nous venons nous abandonner à cette main. Grâce à toi, nous sommes absolument rien. Nous voulons ta présence. Que ta présence, cette présence soit avec nous. Que cette présence nous accompagne aujourd'hui partout, là où nous irons, Seigneur. Que ta cette présence, Seigneur, ordonne nos pas pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Que ta cette présence, Seigneur Jésus-Christ, oh, nous oriente, Seigneur, dans le vrai chemin, au nom de Jésus-Christ. Merci, le roi des rois. Père, parle-nous ce matin, Seigneur. Que cette parole apporte un de plus à nos vies, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, les bons bergers. Merci, l'agneau immolé. Merci, Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et bien-aimés, notre méditation de ce matin, c'est ce livre de Jérémie, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Jérémie, chapitre 3. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit,
Lorsqu'un homme répudie sa femme et qu'elle la quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retournera-t-il encore vers elle? C'est une question. Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostituée à de nombreux amants et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde où tu t'es, où es-tu pas prostituée? Tu te tenais sur le chemin comme l'Arabe dans le désert et tu as sué le pays par la prostitution et par la méchanceté. Aussi, les pluies ont-elles été retenues et la pluie du printemps est-elle marquée? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Verset 4. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Garde-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles et tu les as consumées. Verset 6. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait les fidèles Israël? Elle est allée sur toute une montagne élevée et sur toutes les arbres vertes. Et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié la fidélité des fidèles Israël à cause de tous ces adultères et que je lui eusse donné la lettre de divorce, je vis que la perfide Juda, sa sœur, n'a pas eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa crainte, la pudicité Israël a souillé le pays et elle a commis un adultère avec le pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide de Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec une fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel, la parole de l'Éternel. Et bien aimé, c'est la plaie de l'Éternel contre les enfants d'Israël, contre Israël et contre Juda. Juda, Israël a abandonné l'Éternel. Juda aussi a abandonné l'Éternel. Ils se sont allés alliés avec d'autres dieux, le dieu qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi Dieu les appelle les adultères. Ils appellent les adultères, ils ont commis ils ont commis la publicité. Puisqu'ils se sont allés vers d'autres dieux, puisque notre Dieu est un Dieu jaloux. Il a dit, ne m'associe pas avec d'autres dieux. Mais les enfants d'Israël se sont associés, alléluia, ils ont suivi l'exemple des gens des Amoréens, des Moabites, des gens des Samariens, des gens qui étaient tout autour d'eux. Ils se sont prostitués, ils sont allés prendre ils sont allés marier leurs enfants. Ils ont donné aussi leurs enfants au mariage à eux. On sait que c'est quelque chose que l'Éternel avait interdit. Ce n'est pas se marier, se suer avec d'autres nations. Mais Israël n'a pas fait attention. Israël n'a pas pu écouter la voix de l'Éternel. Ils se sont alliés avec les étrangers, mes bien-aimés. Si tu lis dans le livre d'Ésra, le livre de Néhémie, tu vois comment l'Éternel s'est fâché contre les enfants d'Israël, puisqu'ils sont allés se marier avec le païen. On les appelle, nous les appelons aujourd'hui les païens.
Toi qui as reçu Jésus-Christ, à cause de tout ce que tu es patient, tu n'es pas à te marier avec des païens, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va t'amener loin de Dieu et tu vas abandonner l'Éternel. Alléluia. Il va t'empêcher de ne pas aller à l'église, de ne pas prier. Ou dans cette maison, il n'y a pas de prière. Dans cette maison, on ne fait pas ceci, cela. Là, on ne lit pas la Bible. Dans cette maison, on ne peut pas faire de prière, de jeûne. On ne peut pas adorer l'Éternel pendant la nuit. Il y a maintenant des lois. Pourquoi? Puisque tu es allé te marier avec tes païens. Je sais que l'Éternel parle ici dans ce verset, dans le chapitre 3, mes bien-aimés. Il appelle les enfants d'Israël qui sont des femmes qui ont abandonné leur mari. Ils sont allés se marier avec un autre mari. Ils sont allés se marier, ils sont allés servir d'autres dieux à part l'Éternel des armées. Il dit, le pays même n'est-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostituée à de nombreux amants. Et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Tu vois, ils vont aller chez les féticheurs. Nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés, même ça se passe même aujourd'hui, il y a parmi les chrétiens. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui, la christianité est devenue quelque chose, mes bien-aimés, que le monde est en train de négliger, le monde est en train de rejeter. Pourquoi il y a des lois, de mauvaises lois qui entrent maintenant dans la christianité, puisque nous, les chrétiens, nous sommes devenus tièdes, je peux dire le mot. Tiède. Et la Bible nous déclare dans le livre d'Apocalypse que si tu es tiède, il va te vomir. Il faut être froid ou être chaud. Mais si on est tiède, Dieu va nous vomir. Mais nous voyons la christianité d'aujourd'hui, mes bien-aimés, des églises. Ils se conforment maintenant avec le païen, mes bien-aimés. Mais pourquoi ces lois-là, on ne l'applique pas dans d'autres religions? C'est pas la, c'est avec le chrétien. Et le chrétien accepte les bêtises. C'est pourquoi l'Éternel des armées est en colère avec nous. Dieu d'Israël, celui qui a dit qu'il ne m'associait pas avec d'autres dieux. Et nous associons maintenant d'autres dieux avec d'autres dieux. C'est pourquoi il nous rappelle aujourd'hui il est en colère. Il nous rappelle de revenir à lui. Il nous exhorte de retourner vers lui. Il nous exhorte de se repentir. Alléluia. Il y a l'exhortation à la repentance de revenir à lui. Malgré que nous sommes allés nous prostituer avec d'autres dieux, malgré que nous avons abandonné notre Dieu, malgré qu'on est parti faire des offrandes en dessous des herbes vertes, au-dessus des collines, des montagnes, Dieu nous appelle. Ses mains sont grandement ouvertes. Il nous appelle, revenons à lui. Prévenons à lui, faisons une repentance sincère pour venir à l'Éternel. Il n'y a pas de salut ailleurs, mes bien-aimés. Il n'y a que le salut à Jésus-Christ. Revenons à Jésus-Christ, suivons les voies de Jésus-Christ. Amen. Il dit, dans le verset 2, lève tes yeux vers les auteurs et regarde où tu t'es pas prostitué. Tu t'étais sur le chemin comme l'Arabe dans le désert et tu as sué le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Eh bien aimé, nous avons sué le pays par la prostitution et par la méchanceté de nos actions. Ça veut dire quoi? Nous avons associé notre Dieu avec d'autres dieux. Nous prosternons devant des idoles. Nous nous prosternons devant des morceaux de bois. Nous nous prosternons devant les lois. Les lois, maintenant, la politique est entrée dans l'Église, mes bien-aimés. Les lois de. Maintenant, alléluia, je ne sais même pas comment exprimer mes bien-aimés, ça fait mal. Maintenant, c'est la politique, ce sont les politiciens qui gèrent maintenant les Églises, mes bien-aimés. Au lieu que les églises gèrent la politique, c'est les politiciens qui gèrent maintenant les églises. Or, les politiciens, nous savons que les politiciens, le mot politicien, il y a des mensonges, il y a une abomination. Et cette abomination, cette mensonge est entrée dans l'église. Et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, mes bien-aimés. Les chrétiens sont devenus tièdes. Ils sont devenus tièdes. Beaucoup ont perdu leur foi. À cause de tout ce qui se passe, mes bien-aimés, il y a maintenant des divisions, comme on a fait entrer d'autres lois dans des églises. Il y a des divisions maintenant dans des églises, puisque la politique, les politiciens ont apporté d'autres lois qui ne sont pas dignes de la parole de Dieu dans l'église. La loi, c'est que l'Éternel avait détruit Sodome et Gomorrhe, c'est que les politiciens ont apporté maintenant dans des églises, mes bien-aimés.
Et c'est la colère de l'Éternel, mon Dieu, bien-aimé. Nous voyons ce qui se passe, même ces coronas, qui a terminé même la sagesse des scientifiques, la sagesse des politiciens. Ils changent de forme et de couleur, mes bien-aimés. Mais si les chrétiens, on était forts, on était chauds, cette maladie allait déjà partir. Mais puisque nous sommes devenus tièdes, c'est pourquoi la calamité. Pour s'ouvrir, il y a la calamité et la punition dans le pays, mes bien-aimés. Et nous devons nous repentir, mes bien-aimés. Nous devons prier pour nos autorités, que Dieu les visite et que Dieu ramène leur cœur vers l'Éternel. Dans le Parlement, ils jurent en utilisant la Bible. Mais ils ne pratiquent pas ce qui est écrit dans la Bible. Ils veulent sortir des lois qui sont contre la Bible. Partout, dans les maisons de justice, on jure avec la Bible. Tu parles des hôpitaux, tu vas trouver des Bibles. Mais ces Bibles-là, on ne peut pas les ouvrir. On ne peut pas prêcher. Tu ne peux pas prier pour les malades. Si tu pries pour les malades, tu es écarté. On avait terminé mes études de nursing à cause de la parole de Dieu. Mais bien-aimés, où est-ce que nous où allons-nous? Et après, on va se dire, pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Pourquoi il y a des morts? Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi il y a ceci? Puisque nous avons abandonné notre Dieu, nous sommes allés nous prostituer auprès d'autres dieux. C'est pourquoi il y a la calamité. C'est pourquoi il y a la mort. C'est pourquoi il y a des désastres. C'est pourquoi il y a des fléaux. Retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel, mes bien-aimés. Arrêtons de nous prostituer, d'aller auprès d'autres dieux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Il dit dans le verset 3, ainsi la pluie a-t-elle été retenue? La pluie du printemps a-t-elle manqué? Alléluia. La pluie du printemps, c'est la pluie qui apporte la fertilité à la terre pour nous donner, pour produire de la nourriture, mes bien-aimés. Et est arrêtée à cause de la méchanceté, à cause de la prostitution, à cause de la femme prostituée. Et il a dit, mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi. Mon père, tu es un ami qui a été l'ami de ma jeunesse. Oui, Dieu nous a choisis comme Dieu avait choisi Israël, Abraham parmi toutes les nations. Il a fait sortir Abraham. Il a appelé Abraham. Et Abraham a marché avec Dieu. Il a fait des promesses à Abraham. Dieu a béni Abraham. Abraham a eu Isaac. Isaac a eu Jacob. Jacob et Esaü. Il a béni Jacob. Et Jacob qui a changé le nom à Israël. Il a pris aussi Israël comme son propre fils. Il a dit de se séparer avec le monde puisque le monde était dans l'abomination. Le monde était dans la publicité. Le monde était dans l'idolâtrie. Mais maintenant, les enfants que Dieu a choisis, le peuple que l'Éternel a choisi, ils se sont maintenant retournés pour s'associer avec le peuple que l'Éternel a rejeté. Alléluia. Maintenant, l'Éternel crie, Dieu, notre Dieu crie, il nous appelle de retourner à lui, d'abandonner la méchanceté, d'abandonner la prostitution, d'abandonner les fétiches, d'abandonner pour revenir à lui. Amen. Alléluia. L'Éternel me dit au temps du roi Josias. As-tu vu ce qu'ont fait les fidèles Israël? Dieu nous appelle des fidèles. As-tu vu ce qu'ont fait les fidèles Israël? Elle est allée sur toutes les montagnes élevées, sur toutes les arbres vertes, et là, elle s'est prostituée. Les montagnes élevées, les arbres vertes, les enfants de Dieu qui partent chercher le pouvoir chez les féticheurs. Notre Dieu est très puissant. La Bible déclare que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, que tous genoux fléchissent. Les fétichistes, c'est le déterreur de sa mère qui leur donne de souffre de vie. Mais toi, un enfant de Dieu, tu es toi, un élu de Dieu, tu pars chercher le pouvoir chez les féticheurs pour faire tomber les gens. Pour avoir de l'argent. Pour séduire le monde. Et notre Dieu n'est pas content, mes bien-aimés. Et j'ai dit, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais notre Dieu, Dieu d'amour, malgré que nous avons abandonné l'Éternel, il nous a fait toujours de revenir à lui. Malgré que nous sommes allés se prostituer sur les montagnes
sur toutes les montagnes élevées, sur les arbres, mais Dieu nous appelle à revenir à lui. Dieu nous appelle de revenir à lui. Ses mains sont grandement ouvertes. Il appelle seulement de venir repentant sur ses soeurs, d'abandonner la méchanceté, d'abandonner la prostitution, d'abandonner l'idolâtrie, d'abandonner le péché pour revenir à lui. Ses bras sont vraiment ouverts. Alléluia. Il a dit même sa perfide de Judas a été témoin. Alléluia. Jusqu'à quand quelques juges répudiaient les fidèles Israël à cause de toutes ces adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, je vis que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Les bien-aimés, s'il se plaît, par sa crainte et pudicité, Israël a sué le pays. Elle a commis un adultère avec les pierres et avec les bois. On se prosterne devant des images taillées, on se prosterne devant des statues, on utilise les pierres, on part ramasser les pierres peut-être à côté de rivières ou autre, on se confie à des pierres, on se confie au bois, on se confie aux statues, on se confie, on a abandonné notre Dieu. Notre Dieu était jaloux. Tu parles à l'église, après l'église, le dimanche à l'église, après l'église toute la semaine, tu fais autre chose avant de vendre tes histoires, tu parles de l'autre. C'est parce que là où tu as plus cette eau, tu vas jeter, tu vas le féticher, tu vas mettre pour que les gens viennent acheter tes histoires, pour que les gens viennent acheter tes marchandises, pour que les gens viennent entrer dans ton boutique, pour que les gens viennent bien-aimés. Mais tu te dis chrétien. Mais bien-aimés, repens, revenons à l'Éternel, abandonner la méchanceté, abandonner l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, Dieu n'est pas l'idolâtrie. Si tu pries, Dieu va envoyer des gens pour acheter dans ta boutique. Si tu pries, Dieu va envoyer des gens pour acheter ton bien que tu vends. Si tu pries, Dieu va t'élever, mes bien-aimés. Il est le Dieu selon le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 18. Il est le Dieu qui donne la puissance, le pouvoir d'avoir de l'argent, mes bien-aimés. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel, abandonnons l'idolâtrie, abandonnons la pudicité, abandonnons la méchanceté de nos actions. Revenons à l'Éternel. Ouvre nos cœurs, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre tes cœurs. Que l'Éternel règne dans ton cœur, que l'Éternel règne dans ta vie. Il est le soutien qui ne manque jamais. Il est le Dieu qui bénit. Lors l'argent lui appartient. Tout ce que nous cherchons se trouve entre ses mains. Tu as besoin de l'enfant. Tu pars chez les féticheurs pour te donner un enfant. Et cet enfant, c'est un esprit. Il va apporter à quoi le malheur dans la maison. Il va apporter à quoi la pauvreté dans la maison, mes bien-aimés. Tu veux un mari, tu pars chercher chez les féticheurs pour chercher un mari. Et le mari, quand il va venir, alléluia, tu prépares des histoires sales pour faire manger à ton homme. Alléluia. Mais bien-aimé, répare-toi. Répare-toi, retourne à l'Éternel. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu nous appelle. Aujourd'hui, il t'appelle. Il m'appelle de se répandre, de revenir à lui. Malgré qu'il n'a pas donné la lettre de divorce, malgré la prostitution, malgré qu'on l'a abandonné, il nous appelle de retourner à lui. Retourne à l'Éternel et mets sa confiance à l'Éternel. Il te bénira. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Mais seulement ne l'associe pas avec notre Dieu. Ne l'associez pas avec les fétiches. Ne l'associez pas avec le sorcier, le magicien. Ne l'associez pas avec les idoles. Ne l'associez pas avec le fausseté, mes bien-aimés. Revenons à l'Éternel. Ses mains sont grandement ouvertes pour nous accueillir. Alléluia. Verset 10 sur le dernier. Me dit, malgré tout cela, la perfide de Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi. De tout son cœur. C'est avec une fausseté qu'elle a fait, dit l'Éternel. Et l'Éternel nous appelle, il t'appelle de retourner à l'Éternel de tout ton cœur, dans ton cœur à l'Éternel, dans ton cœur à l'Éternel, dans ta vie à l'Éternel. Tout ce que les féticheurs te donnent, il y a des conditions.
Si tu fais un café, si tu oublies certaines conditions, il y a le malheur qui va t'arriver. Mais avec notre Dieu, il t'appelle pour te bénir, il t'appelle pour te protéger, il t'appelle pour que tu aies la vie éternelle. Pour tout ce que nous amassons sur cette terre, nous allons les laisser, mes bien-aimés. Une fois que le souffle de vie est sorti de toi, tu n'apporteras absolument rien, ni tes habits, ni ta femme, ni tes enfants, ni ta maison, ni tes voitures, ni ta richesse, ni dans la position, mes bien-aimés. Alors pourquoi aller chercher la position? Alors pourquoi aller chercher l'argent? Pourquoi aller chercher la femme? Pourquoi aller chercher des enfants auprès des fétichiens pour pécher contre l'Éternel, mes bien-aimés, pour pécher contre ton Dieu? Retournons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Répare-toi, mon bien-aimé. Répare-toi, ma soeur. Répare-toi, mon frère. Et donne ta vie à Jésus-Christ. Laisse le trône de ta vie à Jésus-Christ, il t'aiguisera, il te bénira. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, nous allons prier, nous allons remercier d'abord notre Dieu pour cette parole qui est sortie ce matin. Nous allons lui dire merci puisqu'il est Dieu d'amour, il est le Dieu compatissant, il est le Dieu là, la colère riche en bonté. Nous allons l'adorer. Alléluia pour cette parole qui est sortie. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père très saint, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as parlé ce matin, Père très saint. Tu nous aimes, c'est pourquoi tu nous rappelles, Seigneur, de revenir à toi, de voir, de considérer nos voies et puis retourner à toi. Merci plus que tu es d'amour, merci plus que tu es de ta puissance. Et ta parole nous dit que si on est froid, si on est tiède, alléluia, au moins qu'on est froid ou on est chaud. Mais si on est tiède, tu vas nous vomir. Aujourd'hui, mes bien-aimés, mon Dieu, mon roi, nous voici devant toi pour t'adorer. Nous reconnaissons qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul. Tu es l'unique. Tu es le vrai Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, tout ce qui renferme. Oh, te bénissons au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui avait mis les poissons dans l'eau. Si les poissons sont dans l'eau, il ne va pas faire de mine, il va mourir. Le Dieu qui a mis les animaux dans les forêts, mon Dieu, mon roi. Oh, c'est toi qui as établi, qui nous a donné les herbes vertes pour nous donner des fruits, pour nous donner à manger, Père. Cette bénédiction, merci. Merci pour ton amour inconditionnel, te rendre sa main de gloire. Merci le Dieu d'amour, quand tu as béni Adam et Ève, tu les as dit, allez, soyez féconds et multipliez la terre. Et tu les as donné l'autorité pour tout ce que tu as créé. Merci le roi des rois pour cette autorité. Merci parce que toi, tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Personne ne peut nous aimer comme toi. Personne ne te rend des amis de toi. Père, aimer mon frère, Père, aimer ma soeur, Père, aimer nos enfants comme toi, Seigneur. Nous disons merci pour ton amour inconditionnel. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Maintenant, l'Éternel se plaint, mes bien-aimés, à cause de l'impudicité, à cause de l'idolâtrie, à cause de la prostitution, mes bien-aimés. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Nous allons nous repentir, mes bien-aimés. Ouvre ton cœur là où tu es, demande pardon à ton Dieu, là où tu es tombé, demande pardon et relève-toi et marche avec ton Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, merci pour ta parole, mon Dieu, mon roi. Je me répands devant toi et te rends des armées de toi, ensemble avec mes bien-aimés, oh, qui sont à la ligne, même ceux qui vont écouter, prétendent, même bien, mon Dieu, mon roi. Nous nous répandons. Oui, nous avons fait du mal. Nous nous sommes allés alliés avec d'autres dieux. Nous sommes allés nous prosterner devant d'autres dieux. Nous sommes allés nous prosterner devant des idoles, devant des herbes vertes, devant des montagnes, devant des collines, devant des arbres, devant des pierres, devant des animaux. Ô Père Saint, aie pitié de nous, aie pitié Seigneur, aie pitié mon Dieu, mon roi, nos origines Seigneur, pardonne Seigneur, pardonne-nous Jésus, pardonne-nous Papa, pardonne-nous éternel des armées, nous sommes allés nous confier au serpent, nous sommes allés nous confier aux sirènes des eaux, nous sommes allés nous confier, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié, Jésus, aie pitié, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne-moi Seigneur, pardonne nos enfants, pardonne nos pères, pardonne nos mamans, pardonne nos ancêtres, nous avons péché contre toi, Seigneur.
Nous avons péché contre toi, tu rends Samuel de gloire. Aie pitié des saints d'Israël. Aie pitié d'Adonai. Aie pitié de notre transgression. Aie pitié de nos iniquités. Aie pitié de cette prostitution, Seigneur. Oh, éternel des armées. Aie pitié, papa. Nous revenons à toi, Seigneur. Nous revenons à toi, Seigneur. Je ne me mets pas devant toi, Seigneur. Je ne me mets pas devant toi, Seigneur. Je ne me mets pas, Seigneur Jésus-Christ, pour la cause de mon frère, pour la cause de ma soeur, pour la cause de mes enfants, Seigneur. Aie pitié éternel. Aie pitié de toute puissance. Aie pitié, papa. Pardonne, Seigneur. Pardonne, éternel des armées de toi, la fidélité de mon père, la fidélité de ma mère, la fidélité de mes ancêtres. Pardonne, Jésus-Christ, l'idolâtrie de mon père, l'idolâtrie de ma mère, l'idolâtrie de mes ancêtres, mon idolâtrie, Seigneur, l'idolâtrie de mes enfants. Et puis, Dieu, Seigneur, et puis, Dieu, Jésus, pardonne-nous, Yahweh, pardonne-nous, mon Dieu, mon roi, et puis, Dieu, de mon frère, et puis, Dieu, de ma soeur, qui crie vers toi, Seigneur, il ne servit pas, Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons mal agi, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons abandonné ton chemin. Nous reconnaissons, Seigneur, nous sommes allés nous associer avec les païens. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes allés auprès des féticheurs, auprès des marabouts, auprès des francs-maçonneries. Oh, l'éternel des armées et des gloires, aie pitié, Jésus, aie pitié des rois des rois, aie pitié de tes enfants, aie pitié de nous, papa. Pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Quand nous reconnaissons, nous sommes nés dans les péchés, conçus dans l'iniquité, nos péchés sont toujours devant nous, Seigneur. Aie pitié, Jésus, aie pitié, Jésus, aie pitié, Jésus, aie pitié de nos enfants, aie pitié de nos enfants, aie pitié de nos enfants. Ils sont dans les malédictions, ils sont dans la polygamie, ils sont, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jésus, merci, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Jésus, pardonnez-nous. Pardonnez-nous, pardonnez-nous, pardonnez-nous. Lave-nous de nos souillés, lave-nous de nos iniquités. Lave-nous, Seigneur, purifie-nous, Seigneur, avec le sang de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Seigneur Jésus-Christ, tu t'es sacrifié la croix de Golgotha pour ma frère, pour mon sœur. Oh, que ton sang nous réconcilie avec nos pères, que le sang nous purifie, que le sang nous lave de toute souillure, de toute iniquité, de toute infidélité, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec le Dieu le Père, et cela au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton sang, merci Seigneur, merci le roi des rois, merci l'agneau de Dieu. Que la louange, l'honneur, la gloire te reviennent, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, nous allons recommander cette journée entre les mains de l'Éternel. Nous allons renverser tout ce que l'ennemi a plané toute la nuit contre nous. Nous allons recommander nos enfants, nos familles entre les mains de l'Éternel. Que la main de la puissance de l'Éternel soit avec nous, nous accompagne aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Père très saint, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je recommande cette journée de cette main. Je te présente mes bien-aimés, ceux qui sont malades, ou te rendent des amis de gloire. Que ta main puissante, Seigneur, le soutienne. Alléluia, devienne en aide. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Sorry. Ce matin, Père très saint, envoie ta guérison et la santé à tes enfants, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils retrouvent leur santé. C'est là au nom de Jésus-Christ, je commande la guérison, la compagne de la paix. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, dans leur corps et au nom puissant de Jésus-Christ. Je te présente mes bien-aimés qui vont sortir ce matin pour aller au travail, pour aller à l'école. Que ta main puissante, Seigneur, le protège, que le sang de Jésus-Christ le couvre, le protège, le rende invisible, inaccessible en tant que l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Que toutes les plans de l'ennemi, mon Dieu, mon roi, soient nulles sans effet, au nom de Jésus-Christ. Que toutes les paroles qu'ils ont prononcées toute la nuit soient annulées, effacées par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Quand la Bible déclare une malédiction, ça cause nulles sans effet, et nous verrons dans quel nous et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, soutiens tes enfants. Père, dirige-nous, conduis-nous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je te présente mes bien-aimés, Seigneur Jésus-Christ, qui couvrent toi, Seigneur, pour le fruit des entrailles. Ô éternel des armées de Dieu, la parole a dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, de femmes qui avortent. Ô Seigneur Jésus-Christ, Père, accomplis tes paroles dans la vie de tes enfants, que faire que tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, soient une mère heureuse à côté de leurs enfants au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, mes torrents des armées de gloire, pour mes bien-aimés qui sont en train de chercher de l'emploi au torrent des armées de gloire, que tu orientes, que tu guides leur
leurs pieds, Seigneur, pour trouver de bon travail, mon Dieu, mon roi. Là, ils vont travailler à paix, Seigneur Jésus-Christ. Là, ils ne vont pas s'associer avec des malfaiteurs pour aller chercher les fétiches pour les promotions. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te présente mes bien-aimés, qui nos enfants qui vont sortir pour aller à l'école ce matin, où ils te rendent sa main de gloire, que ta main puissante les accompagne. Ils vont sortir ce matin bénis, ils vont rentrer ce soir bénis, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je te présente les affaires de tes enfants, Seigneur, ceux qui font des commerces, ceux qui font des activités où ils te rendent sa main de gloire. Que ta main puissante, Seigneur, le bénisse, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, qui a fait une repentance, c'est ça, Père, restaure sa vie, restaure sa foi, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et soutiens, garde-nous, Seigneur, avec ta main puissante, et cela au nom de Jésus-Christ. Père, nous recommandons cette journée, nous recommandons cette semaine, le reste de la semaine, de cette mois, de cette main, le reste de ce mois, de cette main, le reste de cette année, Seigneur. Nous savons que nous et nos enfants, nous allons traverser pour entrer dans la 2022 ensemble avec toi, au nom de Jésus-Christ. Personne ne restera derrière sur cette année pour se Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Père, quand tu marches devant nous, tu amènes de nos chemins, Seigneur, tu mets toutes les chemins montagneux et plats au nom de Jésus-Christ. Toutes les montagnes sont aplanies devant nous au nom de Jésus-Christ. Merci pour tes bénédictions, Papa, pour ce que tu nous as promis, que tu vas envoyer la pluie de bénédictions et te rendre sa maison de gloire avant cette pluie de bénédictions dans la vie de tes enfants. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Et cela au nom puissant de Jésus que nous avons su prier. Merci pour cette parole. Merci, Seigneur, pour que tu nous as pardonné pour la repentance. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ton amour inconditionnel. Alléluia. Que la louange, honneur, gloire, adoration te révèle, tant qu'il vit et règne de maintenant et à jamais pour le siècle et le siècle. À toi la louange, à toi l'honneur. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Laisse, Seigneur, que ta gloire, que la ta main puissante nous accompagne aujourd'hui, que la faveur, la grâce soit avec tes enfants aujourd'hui. C'est là au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Amen.